Badrim Bu... Bur. Pur. On va leur faire pour YouTube. Et salut à tous, c'est Nao. Quel enfer. Bonsoir et bienvenue sur Badrim Purgatory, le dernier opus de la série des Badrim. Il y a eu Badrim The Coma, il y a eu Badrim. Je sais plus quoi, il y a eu pas mal de volets différents en vrai. Et c'était plutôt chouette, c'était plein de petits jeux d'horreur point and click avec un style dessin. Vous voyez bah, ce style-là là qu'on voit derrière, ça va être le style du jeu. Et il y a un côté horreur et c'était chouette et on avait bien aimé les autres. Et voilà, et on va tester du coup ce dernier qui par contre, alors je sais pas s'il sera en point and click ou pas. Parce qu'apparemment il y a de la 3D d'un coup, là c'est la nouveauté de... C'est la nouveauté. Il y a de la 3D. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Et bah écoutez, c'est parti. Sticker de Clo-Clo. Ah oui, les stickers de Clo-Clo! Non, attendez, il faut que je vous le montre en vrai. Attendez. Attendez. Ne bougez pas. Mais c'est ma place! Dis donc! Elle me pique ma gâche le temps que je m'en aille. Et du coup, j'ai pas beaucoup de place. Du coup, ça y est, j'ai reçu. Les... Regardez-les là! Les stickers de Clo-Clo. Bon, il est plus clair que ça, vous inquiétez pas, c'est juste que... Voilà, juste qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Il est incroyable. Il est incroyable. Le seul hic... J'espère, bon, j'espère que vous serez content quand même, mais il faut absolument que j'arrête de faire des stickers aussi gros. Genre, il est énorme, quoi. Regardez, je l'ai collé... Ah ben, je l'ai collé sur mon petit carnet. Voilà, mon petit carnet qui fait la taille de ma tête. Regardez la taille du sticker derrière, s'il vous plaît. Genre, il est énorme. Il faut que j'arrête d'en faire des aussi gros, parce qu'après, on ne sait pas où les mettre, et voilà. Donc, les prochains qu'on fera, là, les trois prochains qu'on va faire, ils seront moins gros que ça, quand même, parce que là, c'est un peu embêtant. Mais, à part ça, ils sont très, très beaux, ils brillent de mille feux. Bon, il n'y a pas d'effet holo ni rien, mais je veux dire, la lumière rend bien, ils sont beaux. J'ai rajouté un petit cœur ici. Et voilà. Regardez. Regardez par rapport à mon visage comme il est gros. Voilà. Il est incroyable. Mais j'étais très contente de les recevoir. Ils sont très très cool. Donc à savoir que c'est le sticker du mois pour le Patreon. J'en ai reçu un petit peu plus que le nombre qu'il me fallait. Mais pas assez pour les mettre sur la boutique. Donc si jamais vous êtes intéressé, évidemment, vous pouvez rejoindre le Patreon. Et sinon, pour ceux qui, si jamais il m'en reste à la fin du mois, parce que les inscriptions du Patreon, c'est jusqu'à la fin du mois, si jamais il m'en reste, je vous les ferai gagner en live. Voilà. Je ferai gagner les deux, trois restants en live, comme j'ai pu faire avant. Mais voilà, le gros Clo-Clo. Le gros Clo-Clo. Genre, il est énorme. Et du coup, oui, c'est le premier sticker transparent que je fais. Vous voyez, il n'y a pas la bordure blanche ni rien. Bon, putain, on voit que dalle avec ma lumière. Mais vous voyez? Et ça rend plutôt bien, hein, franchement, le sticker transparent, ça change. Tous les autres que j'ai faits ne sont pas transparents. Et celui-là l'est. Et voilà. C'est énorme. J'ai mis un moussage, mais elle n'apparaît pas. Diantre, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui! Bah alors? Bah moi aussi elle marche pas. Bah merde. Ah putain. Bah ma moustache! Bah écoute, je sais pas ce qui se passe avec la moustache. Je verrai ça après. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, si vous voulez votre Clo-Clo officiel, n'hésitez pas à aller voir le Patreon. Merde, j'ai quitté le jeu, il a pas aimé. Si vous souhaitez me soutenir et avoir des petits goodies. En plus. Coco Mew, merci pour ton Prime. Oh, 67e mois, quoi. Ça veut plus rien dire. Enfin, si, ça veut tellement dire. Non, mais je veux dire, ça veut plus rien dire dans le sens où c'est beaucoup. Regardez, il est tellement gros, je peux pas le mettre derrière mon téléphone. Ça ne rentre pas. Trop gros. Mais ils sont très beaux, je suis contente. Allez, on est parti pour le jeu. Alors, your premise piece in death. Alors, on est entré au cas où on est mort. Très bien. Ok.
et vous réveillez dans un shallow grave, dans une tombe. Ok. 5 ans et demi. Oh là, oui, c'est long. Ok. Ah, je peux bouger la caméra, c'est extrêmement. Bonjour. C'est extrêmement perturbant parce que normalement, on se déplace en point and click. Donc ouais, là, je me déplace à la souris, non? Ah ouais. Enfin, au clavier. Ah, c'est bizarre. Mais il n'y a pas de son dans le jeu? Ah si. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a des petits nanos. ABC. D'accord. Ah, c'est vraiment perturbant. Information. Puis-je lire les informations? Non. Je n'ai pas l'impression. Ok. Manque d'une petite musique quand même. Oh, c'est ma tombe! Je suis morte en. Bah, on sait pas quelle année. Ah, petit son. Petit son, mais très léger. Si vous voulez que je vous augmente le son du jeu, n'hésitez pas à dire. Memento Mori. Donc voilà, ça c'est vraiment le style de tous les autres jeux. Hein. C'est vraiment ce style crayonné et tout. Mais là, c'est vachement plus. Bah, il y a peut-être besoin de des trucs plus droits pour faire de la 3D. Parce que c'est plus propre, je trouve, que les autres. Ah, c'est perturbant de pouvoir se déplacer dans le jeu. Ouais, le son a l'air faible. Hein. Global volume. Oui. Est-ce que c'est mieux? J'ai l'impression que ça change rien du tout. Je peux save game. Attendez, je vais vous augmenter le son du jeu. Est-ce que là c'est mieux? On dirait ouais les jeux Windows, ouais c'est un peu bizarre. Bonjour monsieur du coup. Un nouveau visage, hein? Je ne t'ai jamais vu ici avant. Oui. Ah, tu as l'air d'avoir traversé l'enfer et d'être revenu. Il te manque un œil et plusieurs doigts. Ah! Donc oui, je suis mort et nous sommes au. Bah, au purgatoire sûrement. T'es couvert de morsures et d'égratignures. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Tu ressembles à un zombie, mais tu n'es pas couvert d'encre. Donc quelle est ton histoire? Je peux écrire? Ça a été drôle. Ah, tu ne parles pas beaucoup, hein? Écoute, je m'en fiche de qui tu es. De ce que tu es là plutôt. J'ai quelque chose qui pourrait être utile. Prends-le et casse-toi. Ok. Merci. Ah! Bah, c'est peut-être mon œil. You got a damn hole in your. T'as un sacré trou. Pour rester pas vulgaire. Dans ton. In your eye socket? Attends, quoi? Dans mon. Ma socket d'œil? Attends. Mon cerveau. Putain, il faut que je traduise, alors je suis petit. Comment il dit je vite. Attendez. Attendez, quoi? Globe. Socket. Socket, c'est globe? Ah bon? Et tu peux utiliser cet œil pour regarder les trucs. Ah! Ah, d'accord, attendez, je crois que j'ai compris. Ça veut dire que, genre, le truc d'information, là, je pouvais pas le lire parce que j'avais pas de yeux. Mais là, maintenant que j'ai un yeux. Alors, une liste de prix de Grave Ward, c'est ceux qui s'occupent des tombes, là. Ok. Est-ce que j'ai un inventaire? Aucune idée. Pardon. Ah, c'est perturbant, du coup, ils me suivent du regard et tout. Est-ce que je peux rentrer ici? C'est fermé. Et je peux pas. Je peux tourner la tête que à gauche et à droite. Je peux pas aller par là. Du coup, c'est assez bizarre. J'avais une petite préférence quand même pour le côté point and click des autres, mais. J'ai besoin d'argent. Bah oui, bah moi aussi, mais bon, écoute, c'est la vie. Hein. Écoute, je ne peux rien faire pour toi. Laisse-moi passer! Mais... Ah, mais t'as besoin d'argent à ce point-là? Genre au point que tu veux pas me laisser passer. I need money.
Money, 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 money. Ah non, je peux pas passer. Ouais, fossoyeur, voilà, merci. Monsieur, il me faut de la money. Qu'est-ce que tu veux? De la money. Qu'est-ce que c'est que ce bout de papier? Bah, j'en sais rien. Attends une minute. Mais qui es-tu? Tu n'es pas l'un d'entre nous, n'est-ce pas? Ah, je vois maintenant. Tu es là pour faire une... Aidez-moi à traduire les moyens de sang, j'arrive plus. Un satané machin. Ah, tu es coincé au... Et tu vas être... Ah, on va être coincé au... dans ce purgatoire pendant très longtemps. Ton créateur t'a... Alors celui-là, je le connais pas du tout. Ce mot. Ditchet. On va sortir à Google Trad. Attendez, bougez pas, ça va aller plus vite. Google Traduction. Raison d'être. Ah, ok, merci. Non, y a pas de souci, t'inquiète pro. Ditchet. Abandonné, ok. Je connaissais pas ce mot. Créateur, t'as abandonné et t'as laissé ici pour pourrir. D'accord. Ok. Maintenant, on est coincé dans ce purgatoire avec aucun signe. Enfin, voilà, on peut rien faire, quoi. Ouais, en gros, je suis coincé, quoi. D'accord, j'ai compris. Écoute, on peut creuser cette tombe pour 5 pièces. Ok. Ça peut être facile de t'en charger avec juste une pièce. Mais si... Ah, il faudrait de l'aide de d'autres personnes. Ah, c'est pour ça qu'il va falloir que je donne d'autres pièces à d'autres personnes. Ok, donc sois gentil avec les autres et ils te payeront en retour. Ok, je te donne ta première pièce pour commencer. Pour commencer ton truc. Ton voyage. Oh, et avant... reste loin des featureless freaks. On les appelle les blancs. Les blancs. Les créateurs les a abandonnés. Mais c'est qui les créateurs? Pas bien compris. Ils aiment pas être fixés. Ça fait peur. Ok, reviens quand t'auras 5 pièces. Ça marche. Ouais, j'ai ma première pièce. Ouais, ça va, vous entendez bien le son du jeu? J'ai ma première pièce. Oh! Ah oui, il me manque des doigts, en effet. Ah, j'ai une main qui est pourrie. Eh, c'est rigolo. D'accord. Oui, non, je pourrais rien faire avec la pièce. Est-ce que je peux aller toucher le mannequin avec ma main pourrie? Je sais pas, pourquoi pas, hein, au final. Non, d'accord. Ok. Faut pas regarder les trucs blancs, ouais. Des baisseurs. Alors lui, il voulait une pièce. Besoin de pièces. Tiens, mon brave. Mega coins? Qu'est-ce que je suis supposé faire avec une toute petite somme d'argent? Ça va juste un peu t'aider. Tiens, prends ça en récompense. Un ciseau cassé. Ouais, et il me laisse toujours pas passer, d'accord. Je peux pas passer ici. J'ai marqué pourri, mais c'est rigolo. Ah, c'est quoi ça? Ah, je peux pas regarder, c'est frustrant. Qu'est-ce que je fais avec mes ciseaux? Y a pas beaucoup d'objets avec lesquels je peux interagir, du coup y a que la porte. 2013, c'est pas très très vieux, ouais non. Bah ça veut dire qu'on n'a pas plus de 10 ans quoi. Oui non, c'est débile. Qu'est-ce que je fais avec mon ciseau? La musique est ultra bizarre. Est-ce que je peux aller parler au mec et lui dire j'ai un ciseau? Il n'y a pas d'autre truc, je crois. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, je peux rien faire pour moi.
Je peux pas planter le mec. Théoriquement, ils sont déjà morts. Je peux pas marcher. Il y avoir un truc que j'ai oublié. Ça, je peux pas. Non, je peux pas interagir avec. Mon inventaire, en fait, c'est clic droit, d'accord. Et je peux pas prendre cette pierre. Moi, je peux pas baisser la tête. C'est tellement frustrant, je peux juste faire ça. Ah, et pour débrouiller la porte. Nul. Sauf si le jeu se déroule pas en 2023, oui, c'est vrai. Ouais, d'accord, mais... Si pour avoir des pièces, je dois donner tes pièces au PNJ, ça va être long. Bah, en fait, je dois donner mes pièces. Oui, c'est vrai qu'il me demande 5 pièces quand même, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça va être long. En effet. Et coucou Foxy, je sais plus si je t'ai dit bonsoir. Je t'ai répondu tout à l'heure, mais je sais même plus si je t'ai dit bonjour. Bah, mince, je suis déjà coincé. Attends, ciseaux. Ah! Mais je l'avais pas fait tout à l'heure. Je dois... Ah, assembler. Pardon? Assembler quoi? Merde, il s'est barré avec mon ciseau. Ah! J'aurais pu le faire moi-même, hein. Mais c'est gentil, écoute. Au moins, ça débarrasse. Est-ce que je peux pas lui piquer l'autre œil? Non, il m'en manquait qu'un seul. Bon, bah, parfait. Me fait contente. Nickel. Écoutez, s'il faut ça pour libérer le passage... Donc eux, c'est mes potes, en fait. Donne-moi... Donne-moi une mission, enfin, un truc. Ton souhait, enfin... Ouais, j'ai plus mes mots ce soir. Yes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a des petits bouts, il y a des petits bouts de chair un peu de partout. Oh non! C'est quoi comme bestiole? Ah non, pas les bestioles, hein. Oh non, on dirait un petit... Non! Il y a une bouteille d'eau par terre. C'est Bambi! Il est encore mort. C'est bizarre que j'ai rien trouvé dans la zone d'avant. Attendez, attendez, il y a encore une autre flèche là. Est-ce que c'est ouvert ça? Oh, c'est ouvert! Oh, il y a une madame! Oh, il y a du sang! Il y a plein de trucs! Attendez. C'est quoi ça? Je touche. Hey, j'ai une fourchette! J'essaie d'identifier ce qu'il y a sur la table, mais j'ai du mal. C'est encore des bouts du mec de tout à l'heure? Ah non, c'est les bouts d'un autre mec. Ok. Il y a des gens qui s'amusent. Quel sort de personnage vous êtes censé être? J'ai entendu que cette série avait déjà eu des clowns. Écoute, cette série de jeux, genre c'est à la brise au quatrième mur, je sais pas. T'es ici pour un moment et ton monstre a déjà tué d'innocentes personnes et sali mon endroit. Ah, mon petit pantin? Non, mais oui, mais il met un peu le bazar, mais au fond il est gentil. Tant que je lui donne pas de ciseaux, tout va bien. Ne fais pas de décision débile. Et peut-être qu'on sera plus gentil avec toi. Ah ouais, alors... je sais pas si ça va être la même chose dans ce jeu-là ou pas. Mais dans les autres Bad Dream, on pouvait choisir... et on pouvait choisir en fait ce qu'on faisait. On pouvait faire des bonnes actions et des mauvaises actions. Et il y avait plusieurs fins. Il y avait, je crois, la bonne fin, la mauvaise fin... Et une fin moyenne. Alors là, je sais pas si c'est la même chose ou si on n'a pas le choix. Mais c'est possible qu'on ait le choix par rapport aux autres. Hein. Alors. Est-ce que ton œil a direct root, as you live. Il a moisi dans ta tombe. Ou est-ce que tu l'as perdu? Ouais, en fait, je m'en fiche. Ok. t'as pas vraiment de truc à lire. Ok. T'as pas l'air très gentil du coup.
Ah, ta main a l'air mauvaise. T'aurais besoin. Il y a un first aid kit ici. Ah bah. Mais je doute que tu puisses l'utiliser. Pourquoi? Il fait froid et c'est un endroit vide où les idées ne se réalisent pas. Quoi? Cet endroit est vide et n'inspire. Et inspiré et un inspirant. Je sais pas comment dire ça. C'est dur de d'appeler ça de l'horreur. J'espère qu'on pourra partir un jour. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Oula, putain, vous êtes vachement prêt. Mais pourquoi je peux pas utiliser le first kit? J'ai pas compris. J'ai pas l'air de pouvoir. J'aurais pu me soigner. Est-ce que du coup je pouvais passer sans tuer le mec? Mais je n'avais que des ciseaux. C'est le seul truc que je pouvais faire, hein, j'ai l'impression. Est-ce que je peux lui prendre son argent? Non, je peux pas lui prendre son argent. Fuck. Je ne peux pas passer ici. Ah, mais il lui a pété tous ses verres et tout aussi? Ah ouais. Ah, il a mis un peu le bazar. Un peu. Dis peut-être ça parce que t'as un cadavre. Oh, il y a une petite carotte ici. Moi, sur le menu, elle a peut-être carotte. Je peux aller là. Ah, il y a un autre pantin là. Les pantins, c'est mes copains en fait. C'est quoi ça? Je peux regarder, mais je peux pas faire grand-chose. Coucou. Oh, il est terrifiant celui-là. Ah, merci pour un. Attends, pure pop. Parce que j'ai un doute sur le mot. C'est une mission, un. Non, un but, voilà, c'est ça. Merci de m'avoir donné un but. Voici ta récompense. Ouais! J'ai des bouts de trucs! J'ai une dent, deux doigts, une oreille. C'est à moi ou. C'est peut-être pas à moi. Mais y a pas de soucis. Je peux te redonner un autre bout de ciseau. Et puis te redonner un but dans 3 secondes. Hein. Y a pas de problème. Qu'est-ce que je vais faire avec mes petits doigts et tout? J'ai une oreille, une dent. Ah, peut-être que maintenant je peux entendre. Ah, attendez, maintenant que j'ai le first. Maintenant que j'ai récupéré mes autres doigts, je peux peut-être réparer avec le. Non? Pas les recoller, une petite glue et puis ça repart, non? T'as besoin de quelque chose? Ah, je peux pas parler plus que ça. Je viens d'où? Je ne sais plus. Je crois que je suis pas allé par là, non? Non, ça me dit rien. Il y a un château? C'est quoi? Il y a plein de trucs, mais je peux rien faire avec. Bonjour. Oui, il a l'air bizarre. T'as pas de yeux. Donne-moi ton argent. Mais non. Mais non. Pas donner ton argent. Attends, il y a une échelle là. Il doit me manquer un barreau d'échelle. J'ai pas d'argent. Tu veux pas un doigt à la place? Putain, mais c'est quoi ces gens qui te raquettent pour que tu puisses passer quoi? Ça se fait pas? Mais attends, et qu'est-ce que je peux faire avec mon doigt, mon oreille et une dent? Bah, je sais pas s'il y a qu'une fin ou pas, du coup, ouais. Est-ce qu'à chaque fois le jeu m'indique quand. Ouais, il me semble, hein. Quand je peux faire un truc. Ah, je peux lui donner la fourchette. J'ai déjà eu mon but. Ah oui, c'est vrai que j'ai une fourchette. Ah, on va pouvoir tuer quelqu'un d'autre. Nanani nana. Mais en fait, on est obligé, je pense. Il était où l'autre? Il est là. Tiens. Prends cette oreille. Non. Prends cette.
Ah, il en veut pas? Ah si. J'ai faim. Je ferais mieux de cuire de la viande. Ok. Attends, ici j'étais déjà venu, non? Je suis complètement perdu. Ah! Des jambes! Mais est-ce que tout ça m'appartient? Je peux pas prendre les jambes? Ah non, mais c'est une statue. Lol. J'ai l'impression qu'il y a grand chose ici. Voilà, il s'est peut-être il m'a peut-être débarrassé du mec. Attends, être bouilli. Ouais, mais les gens essaient de me racketter aussi. Attends, oh. Tu raquettes, bah, tu payes de ta vie, quoi, voilà. Normal. Zut. Pas me laisser passer, bah voilà. Ah, il y a une autre tête là, qui est apparue. Je sais pas si elle était là tout à l'heure. Oh, bah c'est bizarre, le monsieur n'est plus là. J'ai tellement faim. Ah merde, mais faut vraiment que j'aille de lui... Faut que je lui donne à bouffer maintenant? Tu veux pas... Oui. Nourris-moi. Ah, donc je lui ai donné mes doigts à bouffer. Donne-moi un corps. Ah bah non, je vais pas lui donner mon œil. Merci. Je ne veux plus rien voir. Enfin si, mais je pourrais plus lire. Ah ouais, putain, mais je me suis fait arnaquer par le mec que j'avais embauché pour enlever l'arnaqueur, quoi. Super. Oula, oula, il y a plein de trucs. Plein de trucs, mais c'est tout fermé. Fuck. 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 C'est pas fuck, c'est fuck. Qu'est-ce que je suis en train de regarder, là? Je sais pas. Oh, il y a une flèche avec un trou, non? Non, peut-être pas. Ouais, j'ai perdu tout, mais... Enfin, après, je sais pas si j'ai toujours pas cette âme, moi, elle est partie de quand. T'as trouvé le reste du miroir. Oh, bonjour, madame! Je vous avais absolument pas vu, elle a l'air tellement gentille. Bonjour. Tu vas mourir. L'entrée coûte 2 pièces. Putain, mais on dirait la vraie vie, tout coûte de l'argent. Mais c'est terrible, mais madame, du coup, bah non. Mais du coup, je vais devoir vous tuer, c'est dommage, vous aviez l'air gentil. C'est quand même malheureux. Oh là, puis je viens d'où? Et il est revenu là, lui, du coup. J'ai vraiment faim. Non, mais ramène-moi plus de nourriture. Eh, il m'a redonné ma fourchette. Donc, je peux plus aller en arrière. Je peux pas prendre cette bouteille d'eau. Je peux pas casser ça. Emergency. Ah, il manque un bouton. J'ai dû louper quelque chose. En plus, j'ai plus d'objets, là. Si, il me reste ma dent. Ma main. Je peux plus rien lui donner. Et je peux plus passer, du coup. Donc c'est forcément par là. Madame, est-ce que vous acceptez les dents? Je peux pas payer en dents. J'ai loupé un truc dans les toilettes. Ah, j'ai une dent. Ma main et une fourchette. Ah ah! Ah mais j'ai plus mon œil! Comment je fais? C'est moi où le contour jaunit. Ah, il jaunit de plus en plus, celui trop. Ah, peut-être, je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Ah!
Ouais, je ramène de la nourriture pourrie. Trop bien. Ah, c'est pour ça qu'il m'a redonné la fourchette. Bon bah, heureux de vous avoir connu, madame. Vous aviez un très joli sourire. Vous aviez l'air fort sympathique. Tiens. Merci. Bah, il est parti où? Il a pas tué la madame? Merde, elle est toujours vivante. Bah, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, mais tu m'as juste laissé passer? J'ai tellement faim. Corps! Mais ça suffit. On m'a dit qu'il fallait que je sois gentil avec les gens pour gagner des sous. Comment on est gentil avec les gens? Apprenez-moi. Est-ce que je suis belle? Tu es très belle. Tu es très très belle. Ou beau, je ne sais pas. La tête derrière? Non, je crois pas. Mais en fait, je peux pas baisser. Si on voit pas le petit truc, je peux pas baisser la tête de toute façon. Donc. Ah, mais la meuf est plus là! Ah! Hey, j'ai une batte de baseball! Yes! Ah, donc ici, il a bien éliminé quelqu'un. Oh, il a piqué l'argent. Ah non, yes! J'ai piqué les sous. Parfait. Mais du coup, là, pour le moment, je suis pas du tout gentil avec les gens. C'est grave ou pas? Je pense que je vais finir en enfer. Hein. Et du coup, il y a peut-être moyen de taper, de tuer la meuf moi-même avec la batte de baseball, non? Je peux lui donner mon argent. Ah si, je suis obligé. Ah non, mais je veux pas. Attends, est-ce que je peux pas faire autre chose d'abord? Genre ça, avec la batte, non? Oh non, vas-y, je veux pas payer. Mais je veux pas payer. Ah, ou la batte pour ça. Oui. Non? Oui. Oh, maintenant j'ai un bout de glace. Je peux pas appuyer sur le bouton. Alors, en même temps, oui, le bouton est pas là, donc forcément. J'ai un bout de glace. Et la bouteille, il y a pas rien à faire. En fait, quand j'ai un objet que je peux regarder comme ça, c'est peut-être que je peux faire un truc, mais pas dans l'immédiat. T'as pas le choix, à vous penser? Y a pas de bon ou mauvais choix? Ah, c'est dommage, parce que ça, c'était sympa dans les autres jeux. Attends, le bout de glace, je peux peut-être le remettre là, non? Yes. Ah, il m'en faut d'autres. Fuck. Bon bah. Bah tiens. Merci. Passez une bonne visite. Tu aurais dû mourir. Tu aurais dû mourir. Pourquoi il y a une cage là? Pourquoi il y a des cages? Ah, un autre truc. Ah, mais c'est le miroir de derrière, non? Je crois que c'est le miroir de derrière. Enfin, vue de derrière. Fouac. Fouac, hein. Yes, j'ai un autre bout de verre. Avec les sapins qui me suivent quand je bouge, c'est perturbant. Il y a un ballon là-bas, je le vois. Ne puis-je descendre? Eh ben, c'était une courte visite, hein. Ça valait pas deux pièces, hein. Est-ce que mon bout va suffire? Zut, mais à chaque fois, je fais pas le bon truc. Eh ben non, il suffit pas. Il m'en faut d'autres. Mince alors. Du coup, tu visites quoi? Ah! Alors là, et c'est pas moi. C'est pas moi. Ah mais du coup je peux peut-être récupérer mes deux pièces. Non mais laissez-moi récupérer mes deux pièces. Vas-y, t'aurais pas pu la tuer avant quoi?
Qui l'a tué? Dénoncez-vous. C'est toi? C'est parce que t'avais faim? Ah oui, regardez ça. Ici, il y a de plus en plus de choses. Ah, il y a ses lunettes, ouais. Ah, et je récupère un autre bout de glace. J'ai tellement faim. Oui, bah j'ai vu que t'avais faim, ouais. Mais t'aurais pu me ramener mes pièces en même temps, quoi. Il va me manquer encore un bout de glace, je crois. Il est où ton alibi? Bah j'étais en train de faire la visite. Ça ne peut pas être moi. Voyons. Aïe. Non, c'était là. Coucou Parn. Oui, tu as vu? Ah si, c'est bon, c'est bon. Nouveau item, mirror. Ah, je vais le mettre de l'autre côté. Ouais, c'est façon dessin, crayonné et tout. Hein. Non. Ah bah non. Qu'est-ce que je fais de mon miroir? Je sais. Je vais donner le miroir au mannequin qui m'a demandé s'il était beau. Mais je sais pas comment il va réagir. Est-ce que je suis belle? Beau? Tiens! Oula, il dit rien. Je suis un monstre! Tout est de ta faute! Je veux mourir! Je veux mourir! Bah, au moins, ça ferait un heureux, il y en a un qui a faim. Alors, si vraiment on a le choix, je fais les pires choix, hein, actuellement. Ça se passe assez mal. Ah, il n'y a pas plus de, de manger, là. D'accord. Et du coup, je vais où, maintenant? Il est mort où? Il y a tellement des petits bouts sanguinolents de partout. Maintenant, moi, je suis perdu. Hein. Puis-je toujours pas descendre en bas, là? Vers ce petit ballon, non? On va finir par le bouffer surtout. Et à un bout d'un moment, il y a moyen. Non mais il va pas me manger, je l'aide depuis le début. Il serait pas comme ça, voyons. Je sais pas où il est passé, hein. Peut-être retourner par là, au début. Il y avait autant de bouts de machin ici? Il y a toujours ça, mais je peux rien en faire. En plus, j'ai pas d'autres objets. Ah si, j'ai ma batte. J'ai ma batte. Je peux peut-être aller taper le vieux du début. Comment ça, je suis violente? Mais non. La tête est plus à la place. Quelle tête? Ah! Bon bah il s'en est chargé pour moi. Bah parfait. Mais c'est marrant parce que voilà. On a les mêmes idées. Tu as échoué à me nourrir? Mais non, mais j'ai fait que ça. Donne-moi plus. Plus. Je viens de lui donner ma main. Je lui ai donné mes doigts. Mais après moi j'ai plus rien. Je peux pas t'enfuir. Nourris-moi. Ah, j'ai pas le choix. Encore. Oh non, il mange ma main. Mais après, je serai un vrai moignon. Oui. Aïe. Aïe. T'as des mal à côté, les lunettes. Ah oui, donc il les a bouffées, ouais. Tu te réveilles dans une tombe sombre. Attends, mais je recommence du début? Ah, il y a un bruit. Il y a genre un truc qui pourrit, qui me perturbe le sommeil. Enfin, le repos plutôt. Parce que je suis pas vraiment en train de sommeiller.
Alors, on recommence, mais pas totalement, je crois. Alors, on l'a rafistolé. Il a pourri un peu, hein, le monsieur. Ah, il ne parle plus, du coup. Je mange mes morts. Ah, c'est pas mal, ouais. Ah ouais, on a toujours pas pu rentrer ici, c'est vrai. Toujours pas de date sur ma tombe. Du coup, je n'ai plus de main. Ah, j'ai pas été là. Bonjour monsieur, vous m'avez l'air fort sympathique. C'est stressant qu'il me suive. Je vais même pas lui cliquer dessus. Il va bouger, lui, à un moment donné. Il sera plus là. Ah, c'est la tête du mec du début. Je... Gugo. Va-t'en. D'accord. Enfin, je vais ailleurs. Bah, salut. Bon. Que des portes avec lesquelles je ne peux rien faire. Il y a encore une tête. Donne-moi. Donne-moi quoi? De l'argent. Oh, mais vous faites chier, hein. Même quand ils sont morts, les mecs, ils réclament encore de l'argent, quoi. Ça suffit. Oula, il y a plein de trucs, mais je peux rien faire du tout. Et en même temps, Ah, j'ai récupéré mes doigts. J'ai récupéré ma main. Vous avez vu? Mais tout va bien, alors. Putain, mais il faut encore de l'argent. C'est quoi, ces gens, quoi? Il est encore là. Surprise, je m'y attendais pas. Ah! Je crois que j'ai croisé votre tête tout à l'heure, monsieur. Je veux rentrer dans cette baraque. T'as toujours un navire, toi? Non. Je peux pas aller là. Ah, il y a un petit bout de truc qui pourrit, là. C'est bien sympathique. Ah, salut! C'est toi qui m'as bouffé? Ah, mais même lui, il dit plus rien. Alors, je suis dans une autre couche du purgatoire, un peu plus loin dans le... Dans... C'est quoi ça? C'était pas un bébé? Ah, j'ai récupéré un œil de poupée. Ah, j'y verrais peut-être même mieux qu'avec mon œil pourri, non? En vrai. Et j'ai une cage d'oiseaux. Hein. Ok, je récupère des trucs. Même les têtes de raquettes. Ouais, il y avait un bébé, ouais. Toujours les petites carottes. Les petites tomates. Parce que la dame est toujours là. La dame est là, elle est un peu rafistolée. Bah, oh, vous allez bien, finalement. Ça serait bien de vous blâmer pour ce qui s'est passé. Mais je sais que je ne peux pas. On est forcé de créer ces monstres. Tu es juste sans idée. Du coup, tu n'as pas d'autre option. J'ai juste fait un rapide brouillon de ton personnage. J'ai inventé une fille derrière le bar. Attends, mais c'est qui me parle? C'est elle ou c'est le dev, là? bizarre. Une idée m'a donné vie et voilà. Et on m'a mis ici, on m'a oublié. Je ne peux pas rester toujours mort. Il me faut un but. Tout le monde recherche un but, en fait. Mais c'est le monde... mais c'est un monde qui ne peut être décrit que comme un bout de papier. Il n'y a pas de nuance ici. Tout ce qui revient... Ah, tout ce qui tout repart à son stade original après 30 minutes.
tu ne peux pas vivre ici avec ta tête, dans ta tête, parce que tu n'es personne. Tu as 30 secondes pour le dire. C'est tellement mal écrit que j'ai... Quoi ? Et tu ferais mieux de continuer ton histoire et de quitter mon bar. Sors. Oh, elle me donne une pièce. Attends, mais what ? Mais du coup... Donc le monde est vraiment comme ça, en fait. C'est... Ils savent que le monde est en truc papier et tout. Ça, c'est rigolo. Tu sais que je t'ai volé de l'argent tout à l'heure ? Oh, il lui manque une petite main. On est sœurs de pas de main. Il y avait pas un truc ici ? Bah pour une fois qu'on m'a donné de l'argent, je peux pas prendre cette pelle, fourche, truc. Non. Il y a plus de trucs qui pourrissaient ici. Ça veut dire que le jeu va se... Enfin, le truc va se réinitialiser toutes les 30 minutes ? Bah ouais, c'est ce qu'elle disait, je crois, c'est bizarre. Il n'y a plus rien. Oh non, pas toi. Oh, il faut que je donne une pièce, quoi. Purée. J'en ai marre de vous payer. Toujours cette bouteille. J'ai une cage d'oiseau, un œil et j'ai ma main. Pour le moment. Pour le moment, j'ai ma main. Je sais pas du tout combien de temps t'as joué. Bah, moi non plus. Ouais, ça doit faire 30 minutes, hein, peut-être. Après, l'autre m'a bouffé, donc... Fuck! Je peux rien faire avec ce gros caca. Je suis un peu déçu. Ah, je re-récupère encore un bout de... Ah, est-ce que je peux regarder ça avec mon œil? Oui! New item, Ice Fairy. C'est quoi ça? Ça c'est un marshmallow et ça c'est quoi? J'ai rien compris. Quoi? Hein? Hein? Que? Deux pièces! Oh purée! Mais. Non mais jamais vous allez vous arrêter! S'il vous plaît! Ça y est, je suis de nouveau perdu. Oh, on peut avancer, je baille. Fatigué. Oh, fatigué. J'ai été... Oui, là, on peut pas y aller. Okay. Là, y a rien. Coucou, Gabe. Tu vas bien? Les mots d'oignons. Dans le bar, il y avait rien d'autre. Ici, j'y suis allé ou pas, je sais plus. Il y avait rien là. Et je retourne à l'endroit où il y avait toutes les portes fermées, mais. C'était par là. Ah, il est parti, il était là tout à l'heure, le pantin. Il s'est barré. Ah, coucou. J'avais oublié, lui. Toujours rien à dire. Putain, mais je veux rentrer dans cette porte. Ah, j'entends un oiseau. On a une cage d'oiseaux, donc faut peut-être capturer un oiseau. Hé, mais t'as perdu ta tête ! Du coup, j'ai récupéré un bout de tissu avec le... C'est quoi ces bruits ? Oh, il y a bruit de ouf. Oh, c'est celui qui veut de l'argent, là. Un de ceux qui voulait que je dégage. Ah, je peux peut-être couper ça. Non ?
Avec mon bout de... Ah mais je l'ai plus. Mais du coup ça veut dire que si je me dépêche pas, au bout de 30 minutes ça... Faut tout recommencer? Non je sais pas. Est-ce que je peux essuyer? Ah yes. Et je récupère une autre pièce, ok. Et normalement... Ah bah non j'ai qu'une pièce, fuck. Donne-moi de l'argent. Je t'ai déjà donné de l'argent, tu m'emmerdes. Tu me fais chier. Coucou Kubiria. Il est où le piaf? Where is the piaf? Dites-moi si vous voyez l'oiseau. Je pense qu'il faut qu'on le chope. Ça va bien, un peu fatigué ce soir. Je pense que je vais pas m'arrêter trop tard. Je sais pas combien de temps le jeu dure, mais... Je ne vais pas faire long feu ce soir. Je suis un peu allé de partout, non? C'est le cousin de Clo-Clo, ouais. qu'on cherche. Pas vu d'oiseau. Puis en plus, on l'entend même plus. Pas par là. Peut-être dans un arbre. Mais je peux pas lever plus la tête. Donc. C'est peut-être pas ça qu'il faut faire, mais... Il manque une pièce, de toute façon, pour passer. Après, j'ai ce papier, là. J'ai pas bien compris ce que c'était. Je peux rien te piquer. Je peux pas te repiquer une pièce. Va-t'en. Non. Mais non. C'est pas très gentil, quand même, je trouve. Là! Commencez pas. Oh, ça y est, je vais pas. Oh, je suis désolé. Pardon. J'en ai fait bailler combien? Là, il y a un trou. Je peux rien faire. Avec ce trou. Je peux pas monter là pour aller là-haut. Là, ça a l'air tentant. Là, il y a une échelle ici, mais je peux pas la prendre. Et là, il y a des cubes sur lesquels je pourrais sauter, mais je ne peux sauter. Mince alors, mais que dois-je faire? La bouteille d'eau? Non, toujours pas. Toujours pas non plus. J'ai dû louper un truc. Deux pièces. Ouais, mais j'en ai qu'une. Allez. Tous les coups, l'oiseau, il est là-bas. Ici, il n'y avait pas une pièce, quelque part. Dans le caca, là. Ah, mince, je suis allé de partout. Il manque juste une pièce. Je sais pas où je suis censé la trouver. Ça représente quoi, ça? Tu peux combiner les choses en inventaire? Non, j'ai pas l'impression. C'est assez limité niveau interaction. Bah, je sais pas. Là, je suis vraiment allé de partout. Hein. T'as ce trou là dans l'arbre. Il pourrait tellement être là.
Il n'y a rien, vous êtes sûr? Je peux pas baisser la tête. Il n'y a vraiment rien non plus. Ah, ici, on n'a rien ramassé en plus, je crois. Moi, je peux pas cliquer. Non, il n'y a aucun objet cliquable. De toute façon, s'il n'y a pas d'objet cliquable, c'est-à-dire que je peux rien faire. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai loupé? Je ne comprends pas. Je peux rien faire de plus. Vous me dites si vous voyez une petite... Une petite loupe que j'ai loupée quelque part. Une loupe que j'ai loupée. Y a rien. C'est par là que je l'avais entendu. Non, c'était vers le... L'épouvantail que je l'avais entendu. Toujours rien à me dire. Là, il y a toujours rien. Ça, c'est toujours fermé. Il y a un seul billet là, j'avais pas vu. Il y a toujours rien à me dire non plus. En même temps, je vais déjà donner de l'argent. Bah ouais. Bah j'en sais rien. Ah il y a une porte là-bas. Ah mais je peux pas monter. Le personnage il est incapable de lever le pied, c'est trop compliqué. Je peux rien faire de plus avec ça. Oh j'ai dû louper une petite loupe, je sais pas où. C'est bizarre dans cette pièce, on a rien fait du tout quoi. De toute façon, en plus, il me dit à chaque fois quel objet utiliser, donc. J'avais pas vu la petite déco très sympathique. Est-ce que je peux cliquer sur les autres vases? Donne-moi de l'argent, mais oui, mais... Mais j'ai regardé pas tout. En plus, là, c'est compliqué de louper un objet, parce que je peux pas baisser la tête. Il y a une grosse loupe qui apparaît à chaque fois. Et je peux pas me tromper dans... Est-ce que je dois interagir sur un objet ou pas, parce qu'il me le dit. Genre là, sur cet objet, je ne peux pas interagir. Vous voyez, ça ne marche pas. Faut qu'il me le propose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je regarde everywhere, hein, mais... Et personne m'a mis une petite pièce pour ma tombe. Je sais pas moi. Est-ce que donner de l'argent au mec te bloquerait d'une manière ou d'une autre? Bah ce serait débile quand même que ça me bloque complètement. Parce que c'est vrai que quand je lui ai donné la pièce à lui, ça avait fait quoi? Mais ça avait fait un truc je crois. Mais je sais plus ce que ça avait fait. Ah, peut-être que là, si j'attends, le jeu va se réinitialiser parce que ça a dit que ça serait... ça bouclait toutes les 30 minutes et que je suis vraiment bloqué, du coup. Attends, par contre, si c'est ça, c'est un peu... C'est pas dingue. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait juste que j'attende. Devient de plus en plus jaune.
Ah, donc je peux vraiment faire des erreurs. Je sais même plus. Vous vous rappelez ce que ça a fait quand je lui ai donné la pièce? Je sais plus. Je sais pas, non. Titus pour se replacer là où il était initialement. Le second a libéré un passage. Oui, donc j'étais obligé de lui donner la pièce, non? Attends, je crois que j'avais trouvé un truc. J'ai mis un œil. Attendez, on a peut-être trouvé un truc. Oui, j'ai mis un œil. Et du coup... Et du coup, quoi? Ça fait quoi? C'était œil... Ouais. Et donc? Et donc quoi? Ça va me donner une pièce? Oh, il y a un truc! Ça me donne une pièce. Ok. What the fuck? Bon bah, ok. D'accord. Je vois ça un peu bloqué, mais... C'est bon, on a les deux pièces. Ouf! Eh ben, ça pour retourner dans le même endroit où il n'y a rien du tout. Super. Et j'avais pas cliqué sur le pot alors. Parce que là, il me reste quoi comme objet? Ah oui, il me reste la cage d'oiseau là. Bah là, il y a un oiseau là. Ah non, c'est un poisson. Oula, Nao ne connaît pas ces animaux. Oula, je me suis taché. J'ai peur. This is bad. C'est quoi ce bruit de dingue? Ouais. Bonjour. C'est la meuf des pièces? Non, elle a pas ses lunettes. T'es qui toi? Hugues. Je crois... Enfin, je pense que je suis supposé te donner quelque chose. Mais tu sais, ma tête est tombée. Oui, je vois ça. c'est comme une citrouille dans mes mains. Mais ne t'inquiète pas à propos de moi. Bon, je m'inquiète pas. Hein. ça reviendra plus simple, dans des formes plus embêtantes. Ton histoire se termine bientôt quand elle commence. On n'a pas vraiment beaucoup de rangées de stades ou d'émotions. Toi et ton autre main. Ah, vous êtes plein d'encre. Certains disent que c'est la force de la création et de la créativité. Mais d'autres pensent que c'est une terrible... pas malédiction, mais genre un virus ou je sais pas quoi. Ton but initial était de creuser ta propre tombe, n'est-ce pas? Bah, je pense que cette encre va te tuer. Ça pourrait consister... ok. Mon avertissement est... Trouve-toi une tombe bien. Bah, ok, bah je vais me chercher une tombe bien.
parce que je touchais de l'encre et du coup je vais mourir. Et ma cage d'oiseau, du coup, ça ne vit à rien. La musique qui pète un ring câble. Elle devait pas me donner un truc? Elle m'a rien donné du coup. Bah, moi je retourne là où il y avait ma tombe. Hein. Oh, il me bloque le passage. Comme de par hasard. Ah, je me rappelle vaguement de toi. Super, il me bloque. Pas aller par là. Tululu. Non mais la musique. Cimetière simulateur. Je me cherche une tombe. Pom polom polom. Je me cherche une tombe. Pom polom polom. Je peux pas prendre la fourche pour creuser une tombe. Ça va être peut-être un peu compliqué, mais. Ah, je suis coincé. Ah si, sinon je vais avec tous mes copains. Non. Enfin mes copains à qui j'ai un peu causé la mort, mais c'est pas grave, ça faut pas le dire. Est-ce que la meuf du bar a changé? On dirait que t'es revenu. Est-ce que t'as essayé de te faire du maquillage? Bah t'as raté. Quoi? Ah, ne commence pas. Est-ce que tu comprends pas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tuées, qui ont été tuées par la peste de l'encre avant toi? Je veux dire. Personne ici n'a été touché par l'encre. Ok. Après, ils sont morts. La tombe que tu as vue hier n'est pas à nous. Plein de c'est plein de victimes de l'encre. Certains sont morts de causes naturelles. Des personnages avec leur personnalité et leurs histoires. Pas des thugs ordinaires. comment tu veux mourir quand tu n'as jamais vécu? À la fin, tout retourne à sa forme initiale. Les idées qui ne sont pas réalisées ne meurent pas. Ok, ça reste suspendu dans le néant. C'est en tout cas... ça pète l'ambiance. Hein. une fois on jouait un rôle insignifiant. Blablabla. Bla bla. Pas de visiteurs se rappelle de nous. Personne ne se rappellera de toi. Quelle honte. Mais ne sois pas trop court. Ton fou, pretty, joli garçon monstre m'a retiré mon pied avec les ciseaux cassés. Quelle honte que je t'ai pardonné. Mais assez parlé. Je suis pas si froide, prends ça. Tu pourras le serrer si tu pourris dans ta tombe cosy. Oh! Elle m'a donné un petit ours. Ah oui, t'as plus de pied. Hey, j'ai un petit nounours souris. Moi, c'est trop chou. Mais gentil. Le mot, il était trop chou, ouais. Bon, est-ce que je peux aller m'enterrer avec mes copains? J'ai toujours la cage d'oiseau, hein. J'en fais quoi? Oh, je suis perdu. Je suis si perdu. C'était pas là. Ah non, mais c'était avant. Ah, mais non, mais je peux pas y aller. Le mec me bloque le chemin. Là, je sais pas où je suis censé aller, en fait. T'es toujours là, toi? Je dirais presque que je peux faire un truc avec la poignée, mais... Où est-ce que je peux me trouver une tombe? Ça, c'est les toilettes. Aïe, là, y'a rien.
Là, je suis perdu. Là, il y a l'échelle. C'est bon, je peux rien faire avec ça. Hein. C'est jamais. Là où il y a la tête, mais justement, c'est le passage que le mec me bloque. C'est ça le souci. Regarde. Il est là-bas, le passage, avec tout le monde qui est enterré. Je me rappelle vaguement de toi. Ah, si je monte la souris. Un cadeau. Ah, est-ce que je te connais? Oui. Ah, je le promets. Oh non, je vais donner ma souris. Non. Mais je voulais pas. C'était mon doudou pour la tombe. Ah bah ma tombe est prête. Aïe. Bon bah elle n'attend que moi hein. C'est parti. Comment je vais dedans? Je vois tout bleu. Particulier quand même hein, cet épisode. Quelque chose a changé quand l'encre t'a touché. La force créative qui avait brûlé ce monde. Ton ta liberté artistique, chefs de people, ont changé les gens autour de toi. Certaines personnes disaient que l'encre était une maladie terrible. Mais aussi loin que tu t'en souviens, enfin aussi loin que tu le saches, cette histoire n'a pas de fin dans la tombe. Touché par l'encre, tu as maintenant l'opportunité d'écrire ta propre histoire. C'est fini ?